Mesdames et messieurs, c'est parti pour la game numéro 2 de la détection. Vous l'avez compris, il y a un gros dispositif, il y a eu 40 000 inscrits, 10 000 joueurs qui ont été tirés au sort et qui ont pu montrer de quoi ils étaient capables le temps d'un week-end qu'on appelle la phase 1, un week-end privé. Et on a récupéré les 1200 meilleurs de ce week-end-là. Vous avez vu la première game de la détection, on a déjà une petite pépite qui est ressortie du lot. Et on enchaîne directement par la deuxième game, justement. Et le chat m'a demandé d'aller suivre notre Zeif. À ce qui paraît, on risque d'être surpris. J'écoute le chat parce que nous, on est en direct sur Twitch, bien évidemment. Regardez le concept. Encore une fois, voilà, je vous l'ai expliqué. Les 1200 joueurs vont s'affronter sur 4 soirées. Vous, ça sera une vidéo YouTube par game. 12 joueurs qualifiés pour la grande finale. On est sur la phase 2 de la détection. Vous êtes au bon endroit pour kiffer et en même temps découvrir peut-être de belles choses. Et sinon, au niveau du format pour les points, le voici. 3 points par kill qui donne, pour ceux qui ont suivi le premier épisode, vraiment un intérêt à les slay, à aller prendre ses duels quand on est en confiance. Et ensuite, vous avez le point des tops qui vient s'ajouter pour compenser, pour se cumuler. Et à la fin, celui qui a le plus de points gagne sa qualification. Zeif qui nous fait le départ au bateau. Le bateau secret, le bateau qu'on sait jamais où est-ce qu'il est sur la map. Zeif qui est en plein dedans, un style de jeu assez passif pour démarrer. Mais à voir, il doit avoir un plan en tête. Bon, ici on se régale, il y a tellement de stuff. De toute façon, avec tous les coffres, avec toutes les... voilà. Il va se régaler, je pense qu'il ressortira d'ici très très bien stuffé. Zeif qui est très très bien, qui a son petit bateau pour partir. Ah ouais, non, ok, il y a vraiment beaucoup de stuff parce que je découvre aussi le bateau. Skype m'en avait beaucoup parlé. Mais Zeif là me fait vraiment découvrir en large cet endroit. Il y a même un établi. Ah ouais, il se met très 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 bien. Mais bon, je pense pas qu'il aura d'action tout de suite, donc on va partir. Je retiens le numéro, on le retrouvera plus tard. Allons chercher du fight, allons chercher de l'agression. Mais déjà sympathique qu'il nous ait montré un peu ce spawn un peu secret encore, même si on a beaucoup entendu parler. Il y a tellement de trucs, gros. Il y a tellement de trucs. Mais en plus, tu peux farmer. Regardez, il a 300 de métal, 300 de bois. Il y a tellement. Mec, c'est incroyable ce spawn. On m'en avait parlé, mais je pensais pas à ce point. Tu partes à 500 de métal, quoi, carrément. Quasiment lourd, hein? Non? En fait, le temps que tu y passes aussi, en plus, ouais, du coup, tu sors en piment, tu peux sortir avec le bateau. T'as quand même, non, franchement, très fort. Très très fort, Zeif, bien joué à toi. Très très bon, très bonne trouvaille. Alors qu'on vient de tomber du côté de Donera, on l'a vu dans l'axe de Zeif justement, et c'est Nathan on laptop, je sais pas s'il joue justement sur un PC portable, mais Nathan qui a pris son petit kill. Il est aux alentours justement de Zeif. On a un petit peu plus loin un joueur nommé Nexifishi, qui pour l'instant farm, regarde un petit peu dans les environs, et on va aller chercher un petit peu les top killers pour le moment, parce que ça nous donne toujours un peu l'info sur les plus agressifs d'entre eux. Sunjack, pour l'instant 2 kills, en train de se repositionner dans la zone, tout va bien pour Sunjack. Par contre, je voyais justement un petit affrontement. Est-ce que c'est par rapport aux bots? Ouais, il est juste en train de se faire la famille des bots. Ici, Nashi RR. Donc tout va bien pour Nashi RR. Il vient de récupérer justement le badge pour aller ouvrir le coffre. Il est uniquement face à des bots. Donc rien d'inquiétant pour lui pour le moment. C'est une des nouvelles zones justement de cette saison. Cathy Corner. Et on va pouvoir, voilà, ouvrir tout ça. On voit que c'est fait proprement. On voit que c'est un habitué. On voit qu'il est sur son spawn. C'est travaillé. Je vais juste aller voir un peu ce qu'il va choper. Mais regardez, il est très bien. Pompe à charge mythique. Le lance grenade à répulsion mythique. Ça, c'est vraiment l'atout de venir à Cathy Corner. Tu ressors au moins avec ça. Et derrière, bah là, il va récupérer des potions supplémentaires. Tout ce qu'il lui faut. Même peut-être des pattes supplémentaires s'il a de la chance. Hop, voilà. Beaucoup de gros spots. 3 gros spots. 6 mini potes. Il y a même des splashs. Il y a vraiment, ouais, vraiment maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus facile qu'avant de se stuffer. Beaucoup plus facile qu'avant. Mais bien joué à lui, hein. Ça valait le coup de prendre ce spawn là. Et il va pouvoir partir bien comme il faut. Tiens, Zeif qui a fait son premier kill et qui est peut-être en train d'enchaîner par un second. On en parlait tout à l'heure, on a vu son spawn magnifique. Premier kill obtenu, donc ça le met déjà en confiance. 3 points déjà confirmés pour lui. Zeif qui, voilà, qui est confiant, qui va aller chercher son deuxième fight. Zeif, Zeif avec une édite d'escalier, Zeif. En toute simplicité, hein. Là j'ai l'impression qu'on revient en saison 2. Oh ouais, là vraiment son adversaire ne sait même plus où donner de la tête. Zeif qui vient valider 6 points déjà confirmés, alors qu'il y avait un adversaire qui était en train d'arriver dans son dos. Hein. Joueur pro safe, on me dit sur le chat. Ah ouais, ouais, là, vraiment, ça a été très simple. Hein. Et c'est là où je vous dis que forcément, la phase 1, elle a servi à ça, à vraiment filtrer. Mais monstrueux, monstrueux. Je regarde un petit peu les pseudos qu'ont marqué un petit peu le coup. On est en train de se faire allumer par ici, là, du côté de Nail. Hop. Et ouais, il y a un petit fight, là, pour Nail. Vous avez vu, hein, ça n'hésite pas. Hein. Ils se regardent très rapidement, ça se rentre dedans. Alors peut-être parce qu'ils ont aussi peur des backstabs. Dommage, il a pas pu réédit son escalier, ça l'a mis très très mal. Défaite de Nail, malheureusement, face à Percy. Et Zeif, on retrouve directement en bullfight. Incroyable. On le retrouve directement en bullfight, là. Sur la même colline, il est en train de laver tous les environs. Et en plus de ça, après, il a la zone à gérer. Hein. Regardez, ils sont juste ici. Après, il a la zone à gérer, donc il faut vite se débarrasser de cette situation. Zeif. Il faut assumer, il faut aller au bout. Beaucoup de constructions utilisées, c'est un énorme investissement, là. Mais on peut se permettre, on est encore en début, mid-game. Même non, c'est que la première zone, hein. Les gens se sont allumés tellement, ils ont compris qu'en fait, que les kills rapportaient beaucoup de points. Oh, mais c'est tellement simple. À chaque fois
qu'il est en fight safe. Ça paraît, ça. En fait, j'ai l'impression que les mecs en face sont nuls, mais je pense que c'est parce que lui, il leur mange le cerveau, tu vois, c'est ça te crée cette ambiguïté là alors que les mecs en face sont pas nuls hein. Juste qu'ils sont tombés face à un meilleur que lui, on me dit justement joueur G4B safe. Donc grosse capacité dans cette discipline là en plus de bullfight. Ça se voit que c'était un cas d'école pour lui. Clairement, il marque les esprits et vous aviez bien raison. Parce qu'il est actuellement tout simplement premier au classement avec ses 3 kills à égalité avec Percy. Percy d'ailleurs, justement, 3 kills mais en train de se faire allumer. Comment va-t-il comeback? Comment va-t-il comeback? MSR, Percy, ici présent à l'écran. Canette en main, mini pot à dispo, il est face à Nashi. Nashi qu'on avait vu tout à l'heure justement, les histoires commencent à se raconter. Heureusement, Nashi a été attiré par un autre fight. Il y a quand même beaucoup de monde dans les environs et Percy qui va pouvoir se remettre très très bien. Mais Nashi, il sait plus où donner de la tête avec les bots qui font du bruit. Il sait plus réellement où est son adversaire. Alors que en face, on a clairement l'info. Justement, on va aller voir ici, je le vois à 3 kills, mais tout va bien pour Scutty. Rien d'alarmant. C'est Percy hein, qui doit vraiment essayer de gagner son vis-à-vis s'il l'engage. Mais je crois qu'il s'est fait oublier Percy. Tant mieux. Maintenant, on va aller sur les top killers. Au début de game, c'est intéressant, mais au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a des joueurs qui se démarquent et je me concentre principalement sur eux. Qu'ils fassent partie de vos préférés ou non, malheureusement, c'est ceux qui sont impactants dans la game, qui prennent la caméra. Donc là, on a quand même pas mal de profils hein, sur cette game-là, vous avez vu. Vu qu'il n'y a pas un mec qui s'est envolé, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 personnes avec 3 kills et 2 personnes à 2 kills. Donc c'est principalement eux qui vont avoir la caméra entre eux. Donc Keyboard, qui est pour l'instant celui dans la plus grosse difficulté, parce qu'il est hors zone. Donc déjà, il faut retourner dans la zone. En plus de ça, il peut se faire allumer par tous ceux qui l'attendent à l'extérieur. Ça paraît compliqué. Malheureusement pour Farid. Farid qui va tout donner hein, quand même pour rester existant, pour rester parmi les potentiels qualifiés, parce qu'on l'oublie, mais c'est ça qui a gagné hein, durant cette game de la détection. C'est que le gagnant, celui qui aura le meilleur score à la fin en termes de top kill et justement de top score, et bah il sera qualifié pour la grande finale et accédera à la phase finale justement, en plus de la petite épreuve supplémentaire pour l'association. Mais ça c'est une formalité. Je pars du principe que tous ceux qui vont gagner cette phase 2 ont les capacités de réussir le petit défi qu'on a mis en place et donc d'aller rapporter de l'argent à l'association. J'espère bien. J'en ai vu d'ailleurs, il y en a plein qui kiffent le concept hein. Je suis très très content de voir ça. Il y en a qui adorent l'idée, même d'avoir rajouté justement aussi ce côté associatif en plus, avec ce petit défi créatif qui nous permet de faire connaissance un peu plus en long et en large avec le gagnant. Et en plus de ça, on était tombé sur la première édition sur quelqu'un qui était assez à l'aise, donc ça donnait beaucoup beaucoup de crédit à tout ça. Ce sera pas tout le temps le cas, c'est pas trop grave hein. Venez comme vous êtes dans la détection. Le but c'est pas de vous changer hein, c'est de vous repérer comme vous êtes. Et donc pour Farid, c'est bon hein. Il s'en est sorti, il est debout, il s'est remis très très bien. On va aller rechercher un petit peu d'action. Regardons par rapport à la carte. Ça a l'air de se fight vers Retail Row là, ouais. Il y a 3 personnes au coude à coude qui pourraient se la mettre. Et c'est Ghost justement qui a 0 kill face à Sunja qui lui en a 2 kills. Donc là, Sunja qui est important, ce fight. Oh, Sunja qui a pas sorti le pompe assez tôt. Attention, on est sur la détection phase 2. Donc là, la moindre erreur peut être fatale. Heureusement, il a eu de la... Oh, mais comment c'est possible? Mais ils sont tellement rapides, ils sont tous tellement réactifs qu'ils se retrouvent à se faire des bisous dans les box. On est là pour se battre, hein, pas pour faire l'amour. Et Ghost, il l'a bien compris. Hein. Ghost, il a pas apprécié. Directement, il a renvoyé avec la balle de pup. Et voilà, petite danse pour fêter sa victoire. Mais c'est une bonne opération. Et malheureusement, il vient ruiner un peu les espoirs des autres. Oula, Nave. Ouh, Nave. Oh, ça a été rapide. Par Gizou, BG News, Gizou, qui est très bien équipé. Ça, c'est quelqu'un qui revient de l'autorité. Grappin, Thompson, le Bouga violet, le petit pompe automatique là qui régale. Aucune inquiétude pour le repositionnement. Il a tout ce qu'il faut avec le grappin. Lui, il va falloir le garder sous les yeux. Surtout que BG News, c'est une structure qui me parle. Donc, je me dis, si il fait réellement partie de la structure, il doit avoir quand même un sacré niveau. Donc on va le surveiller aussi très très près. Regardons un petit peu si ça a bougé. Oui, ça a bougé. Il y en a un qui en a profité là pendant qu'on était en train de faire mumuse à droite à gauche. Il s'est envolé. Loki, 5 kills face à Nashi. Face à Nashi qui fait partie aussi des top killers hein, je crois. Nashi 2 kills. Nashi 2 kills, ne nous emballons pas. Mais Loki, 5 kills hein. Il vient de mettre une énorme pression à tous les autres joueurs. Son pseudo qui a dû souvent revenir dans la barre des fils. Attention à pas tomber trop tôt parce que 5 kills c'est énorme. T'as déjà tout ce qu'il faut pour te qualifier là. Si tu tombes, ce serait une énorme erreur. Jouer, il faut la jouer safe. Des fois il faut se faire oublier. Hein. Faut se faire oublier. Ça se slay à tout va. Ils veulent tout. Il y a même le joueur BGNews, hein, Gizou qui est venu s'en mêler. C'est lui justement qui a repris le relais sur Nashi. Mais je vous l'ai dit en fait, vu qu'ils ont compris que les kills rapportaient beaucoup et qu'ils n'avaient qu'une game pour faire leur preuve, ils sont tous partis du principe qu'il fallait tout tenter dans tous les fights. Hein. Donc on a des lobbies qui se slayent. On est zone 2, il reste 31 joueurs. Hein. C'est très très violent. On a vraiment des top players qui enchaînent kill sur kill. Gizou, on va le voir maintenant en action cette fois-ci. Hein. Après l'avoir vu en rotation, a-t-il vraiment ce qu'il faut face à Nashi? En plus, Nashi qui a montré quand même du répondant. Donc gagner ce duel-là, c'est quand même significatif.
Après, il est quand même bien équipé hein, avec cette Thompson. Certes, elle a été nerf, elle est un petit peu moins jouée qu'avant. Mais quand même, alors qu'on a fait bien ce qu'il fallait. Hein. Là, c'est l'affrontement des armes mythiques. Hein. Si vous vous rappelez, Nashi, c'est celui qui a le lance-grenade à répulsion plus le pompe à charge mythique. Donc, c'est pour ça, vous avez vu, il s'est propulsé pour bourrer dans les airs. C'est très risqué, mais ça a bien marché face à Guizou. Donc là, on a vraiment deux joueurs très bien équipés, en tout cas avec des choses intéressantes en stuff. Ils sont en train de se la mettre et ils ont l'impression de vouloir aller au bout. Faut pas bégayer. Faut pas bégayer. Et c'est la victoire de Nashi qui avait plus grand chose hein. Donc là il va pouvoir récupérer des roquettes pour réactiver son répulseur. Il va pouvoir récupérer peut-être même le grappin. Quel choix va-t-il faire? Il y a tellement de choix. Ouais, Thompson il laisse le grappin. Moi j'aurais fait exactement pareil. Gros spot à la place de la Thompson. On va jouer pompe charge plus car. Je trouve ça ballsy hein. Quitte à prendre la grosse spot, j'aurais peut-être pris le grappin tu vois. Mais bon, je peux comprendre. Il va avoir de quoi calmer le jeu si jamais. Ah oui, d'accord, oui, on est sur une maîtrise. Après, normal. On a vu que c'était son spawn. Qu'il avait totalement l'habitude de jouer avec le lance-grenade à répulsion. Et on... Oh là là. Oh la masterclass, encore une fois, là. Je suis désolé, hein. Moi, je suis pas responsable de tout ce qui se passe in-game. Hein. Je suis pas responsable. Non. Vous avez signé des papiers. Hein. Quand vous êtes inscrit, je suis désolé, vous avez signé des papiers. Vous avez autorisé des choses. Voilà, si vous faites laver devant tout le monde, c'est pas un problème. Nashi, en tout cas, il a pas envie de rigoler. Hein. Mais attention, parce que certes, il remonte Nashi, mais il y a Percy qui est lui aussi à 4 kills. Hors zone pour le moment, mais avec des adversaires en plus à proximité. On a Loki qui lui est toujours à 5 kills, qui on a compris s'est calmé depuis tout à l'heure et qui a récupéré le grappin. Tiens, il est passé derrière, il a récupéré un petit grappin gratos. Il a récupéré aussi une sale balle. C'est quoi ça? C'était une carabine? Balle de snipe? Ça venait du 57. Non, ça venait pas de lui. Ouais, attention quand même à Loki là qui a pris quand même du très très sale. Hein. Et on a Safe aussi qui, voilà, que vous avez beaucoup réclamé au début, qui n'a pas fini de montrer de quoi il était capable parce que maintenant lui aussi est arrivé à 4 kills. Donc là maintenant on n'a plus que 4 joueurs qui sont vraiment en train de s'envoler. On va beaucoup tourner entre les 4, donc 44, 5, 42, 70. Pour l'instant c'est toujours Fary hein, qui est en grosse difficulté avec cette zone, le pauvre. Fallait que ça tombe aujourd'hui pour lui, mais la zone n'est pas pour lui. Voilà, le pad malheureusement claqué. On aime bien le conserver, mais là il a pas trop le choix. Et ça passe pour Fary, qui a quand même... Lui, il vient de loin. Hein. Sa game, franchement, il la joue avec la sueur au front. Percy, qui prend quelques dégâts lui aussi, parce qu'il est en fight en même temps dans la zone qu'on avait vu à Ritelro. Je l'avais dit qu'il y avait des adversaires à proximité, mais Percy, qui joue sa qualification sur ce moment. Va-t-il s'en sortir? Va-t-il tomber? Va-t-il être attendu à la sortie? Parce qu'on le sait, hein, les dégâts ont été infligés. Donc là, c'est cible fragile. Mais oui, il y a le mode tensu. Régale-toi, va récupérer 52 points de vie sur lui. Moi j'ai rien dit, c'est pas ma faute. Je porte pas du tout la poisse, non. Non, moi j'ai rien à voir avec ça. Et en plus, il va tomber juste derrière Tox. Tox HS. Ouais, là le problème c'est qu'ils sont bordure de zone. Qu'ils se font harceler. Je sais pas ce qui harcèle avec la FAMAS. Mais il se régale. Je crois que c'est le 13, non? C'est lui? Non, c'est pas lui. Ça avait l'air de venir dans cette direction là. On a Nexi qui est en train de se déplacer. Karma, le chat en train de dire. Zaif, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, Zaif a pris cette top hauteur. Donc très très bonne nouvelle pour lui. Certes, il a 4 kills, donc il est 1 kill en retard. Mais vous inquiétez pas, il reste 20 personnes. On va rentrer dans pas longtemps dans le late game. Et juste avec un bon positionnement, vous avez vu, on est capable de ramasser. Donc la qualification, c'est une des games là, une game très serrée hein, pour la détection. Parce que bah on a énormément de personnes qui peuvent se qualifier. On a 4 personnes là qui jouent la qualif. Et même ceux qui sont à 3 kills peuvent revenir de très très loin. Zaif qui s'est fait shipper le kill par esprit sous les yeux. Et qui du coup voilà envie quand même de récupérer quelque chose. Aïe aïe aïe. Esprit qui a été quand même assez malin là-dessus. Oh par contre voilà. C'était depuis tout à l'heure c'est Safe en fait qui bourre avec son hog. Safe, très très chaud hein, Safe. Franchement il m'a tapé un peu dans l'œil Nashi hein. Nashi. Moi je pense que je colle Nashi. Voilà, faites vos calls sur le chat. Moi je pense Nashi va se qualifier. Voilà, moi j'ai pris ma. Moi je vote pas avec le cœur. Je vote avec ce que j'ai observé. Je sais très bien que vous allez pas être d'accord. Je vous montre un petit peu les réponses du chat pour voilà, permettre aussi d'avoir d'autres pseudos. Safe, très forcément encouragé sur le chat. Une grosse communauté qui le suit. C'est l'avantage aussi d'avoir une petite réputation. Mais Nashi, très bien équipé. Il est passé par des phases très difficiles. Après, il a que 4 kills. Donc forcément. Mais tu vois, les deux mecs à 5 kills sont pas forcément dans un bon état. En vrai, ça joue entre Safe et Nashi. Hein. Ouais, j'avoue, entre le 42 et le 77. Hein. Ça joue entre les deux, les gars. Vraiment, c'est impossible à dire pour le moment. Mais ce lance-roquette à propulsion, pour moi, il donne toujours quelque chose. Tiens, Safe en pleine rotation. Qui vient se positionner sur Nashi. Comme par hasard. Les deux qui jouent le titre, là, clairement, sont au coude à coude. Vous avez Nashi juste en dessous.
Safe qui s'est positionné juste au-dessus. 8193 points d'arène hein, pour Safe. Même si on a senti quand même le bon bonhomme. Attends, je voulais aller voir combien de points. 4198 points pour Nashi. Et là, ça va essayer de ramasser. Hein. Là, ils vont faire alliance indirectement. Le team-up involontaire de Safe et Nashi. Mais même sans savoir hein, que l'adversaire direct est en dessous ou au-dessus. C'est ça qui est beau avec Fortnite, c'est que tu sais jamais qui est face à toi. Et regardez Safe. Safe avec la double hit. Safe pas ici, pas maintenant. Ça passe. Et le public s'est fait très très peur. Safe qui a failli nous quitter, qui va vite devoir calmer la situation. J'ai peur hein. Safe, on me dit joueur manette en plus de ça, confirmé par le chat. Merci mes co-casters, hein, vous êtes plus de 12 000 ici présents pour commenter avec moi cette game de la détection avec un save qui finalement est en train de me donner tort. Hein, qui est passé vraiment à... J'allais dire à la phase 2 pour faire le jeu de mots, mais il est passé surtout à la vitesse 2. Et je pense que du côté justement de Nashi, ça suit pas. Hein. Hop, excusez-moi, on va revenir sur Safe pour suivre le fight. Mais ouais, du côté de son adversaire direct, Nashi, ça a l'air d'être plus calme. Il pourrait s'en mêler quand même. Hein. Franchement, il a une visu de ouf, il est très passif pour le moment. On voit qu'il a pris quand même des dégâts parce qu'il a consommé ses gros spots. Et Safe, qui lui, par contre, voilà, continue son agression directe. Il adore rentrer dans les box. Ça passe une fois de plus, mais à chaque fois, c'est on reconnaît le joueur manette. Hein. On reconnaît le joueur manette qui rentre et qui a envie de... Une offrande. Mais c'était gratos, ça. Safe qui s'envole avec 7 kills. Nashi qui est en train de se faire totalement distancer. La Safe, il devrait calmer. T'as 7 kills, gros. Il reste 11 personnes. Calme-toi. Laisse les autres faire un peu. T'es très, très bien. Il est quasi qualifié, là. Faut juste qu'il fasse attention au kill de Loki. Qu'on a un petit peu délaissé, Loki, qu'il faut pas négliger non plus. Et justement, Elfeno. Et vous aviez raison, Nashi, là, qui a eu, je pense, une pression un petit peu trop grosse. Arrivé en fin de mid-game. Et là, on reconnaît les experts du late-game. Nashi qui s'est fait trop distancer pour le moment. On a lui aussi, hein, Elfeno avec 5 kills qui peut totalement revenir. Elfeno, Loki, Safe ou Nashi si jamais. Safe qui est... ouais, qui est... Oh là, il est très très haut quand même. Attention à la chute fatale. Voilà, très rapidement, on vient se repositionner. Oh, il est venu Keblo, double edit peut-être. Non. Oh, c'est tellement... Ouais, il est bon. Hein. Vraiment, on sent vraiment le joueur expérimenté. Son pseudo me disait quelque chose de toute façon, donc je pense qu'il a déjà joué des compétitions de mon côté, mais voilà, il fait pas partie forcément des top joueurs. De toute façon, c'est ouvert à tous la détection. Il y a toujours moyen de se faire remarquer un petit peu plus. Et c'est ce qu'il est venu chercher ici, Safe. 5. Ouais, il est 4. Non! Oh! Oh, tout peut basculer! Si elle fait nos fait de kill, tout bascule! Si elle fait nos fait de kill, tout bascule! Safe! Non! Oh mon dieu! Oh mon dieu! C'est Nashi! Top 1! 5! Mais je ne sais pas! Je ne sais pas qui. Moi j'y suis pour rien! Hey, non mais vous allez croire que c'est scripté! Hey, moi j'y suis archi pour rien, frère! On va compter les points! Hein. On va compter les points! Nashi top 1, donc il récupère les 15 points de la victoire royale. Par contre, il n'a que 5 kills, donc c'est 3 points justement par kill. À côté, on a Safe qui a fait 8 kills, mais qui a dû faire top 4, je crois. Top 4 ou top 5? Aïe aïe aïe, je sais pas. Là, pour une fois, j'attends le classement. Trop bien! Dès la deuxième game, on va avoir besoin du classement pour avoir le fin mot de cette histoire. Je veux même pas envie de rentrer dans mes calculs, là, je veux pas savoir. Je vous remets rapidement, je reviens avec vous le chat. Parce que là, vous êtes comme des fous, hein. Il y a du spam de GG, mais on sait même pas à qui on dit GG. On sait même pas à qui on dit GG, les potos. Je vous rappelle qu'en cas d'égalité au classement, c'est celui qui a le meilleur top qui gagne. J'ai vraiment peur, parce que pour moi, ça fait égalité, hein. J'ai fait mes calculs. Hein. Moi, j'ai rien. Moi, la TDOM, j'ai... Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Mais encore une fois, je suis sur un 2 sur 2 2 sur 2 en termes de pronostic. Est-ce que je suis pas un expert, moi? Est-ce que je suis pas... J'ai totalement chaté. J'ai totalement chaté, mais c'est Nashi qui a égalité de points. Mais vu qu'il a un meilleur top 1, place adverage, premier. C'est pour ça que j'ai dit à mon Safe, calme-toi, trop excité là sur cette fin de game. Alors qu'il avait vraiment fait la différence en termes de kill. Mais au moins, il se sera fait un petit peu plus repérer. Je vous l'ai dit, tous ceux qui jouent la phase de la détection sont des bons joueurs. Et en plus, ceux qui terminent sur le podium de leur game, voilà, sont vraiment à garder de côté. Donc bravo à Scutty, bravo à Safe. Et bravo à Nashi qui passe pile poil, qui a mieux géré à mon avis avec les règles. Même si je pense qu'il a eu un vrai coup de bol. Parce que lui, il avait pas d'informations comme quoi Safe avait 8 kills, tu vois. Même s'il a dû voir beaucoup plus dans la barre des feeds, t'as pas le temps de compter. Donc il a dû avoir la surprise comme vous. Et ça passe pour Nashi. Forcément, tout le public de Safe qui a une popularité est un petit peu forcément déçu. Mais on le retrouvera. Et puis en même temps, vous le savez, il est quand même assez. Voilà, il a quand même une réputation, la preuve. Hein. Il a déjà un public. Donc je trouve ça cool de laisser aussi la place à des nouvelles têtes. C'est un peu le but de la détection. Mais bravo, Safe. Mention spéciale quand même pour toi. Tu nous as fait vibrer, rêver. Et je pense que tu vas t'en vouloir. Parce que là, le moindre petit placement de plus, le moindre kill supplémentaire.
faire ou ça suffisait mon poteau. Mais bravo à toi, tu nous as fait rêver et tu nous as donné la game déjà l'une des games les plus serrées dans la détection parce que une égalité à la première place, on n'en verra pas beaucoup. GG, en tout cas O3, vraiment GG O3. Et j'attends justement d'avoir parce qu'il y a l'épreuve pour l'association, rappelez-vous, c'est pas terminé. Là, Nashi s'est qualifié pour la phase finale, il fera partie des 12 qu'on attendra. À côté de ça, il va jouer aussi pour l'association et gagner 2000 euros de plus pour l'article 1. Et surtout, on va aller lui parler en vocal, en apprendre un petit peu plus pour lui, sur lui. C'est ça la folie. Oh mon ami. Il est déjà prêt, on me dit, en plus Nashi. Ouais, Nashi. Ouais, ça. Comment tu vas, mon poteau? Ça va et toi? Bah, nickel. Hein. Je vais te poser un peu les mêmes questions que j'avais posées parce qu'on est sur le tout début de la phase de la détection. Est-ce que déjà tu peux te présenter? Ça va déjà. Je m'appelle Nashi. Tu t'appelles Nashi dans la vraie vie? Non, pas. Ah. Non. Je m'appelle Léo, alias Nashi. Et okay. Je joue à Fortnite depuis le tout début. Et je fais de la compétition toi aussi depuis le début. Et ouais, voilà. Comment tu. Enfin, il vient d'où ton pseudo? Alors, ça, je l'ai mis au pif. Enfin, j'ai trouvé un peu au pif. Ouais, c'est toujours intéressant. Je me demande comment les gens font pour trouver leur pseudo et tout. Non, et alors là, franchement, c'est au pif. Alors là, vraiment, c'est au pif. Ok, ça sonne bien, Nashi. Propre, on a dit. Je conseille toujours les pseudos en deux syllabes. Donc, ouais. Ou une syllabe, deux syllabes, ou une syllabe, trois syllabes. Ça commence toujours à être un peu plus difficile à rentrer dans les têtes. Je sais pas là si je réfléchis à un pseudo en trois syllabes, Zerator. Ouais, Zerator. Mais bon, c'est différent. Ouais. Il y en a peu. Hein. Tu vois, Squeezie, c'est deux syllabes. Dogby, c'est deux syllabes. Domingo, trois syllabes. Locklear, deux syllabes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a toute une métaphore. Enfin, il y a toute une réflexion à avoir sur ça pour avoir plus de chances de percer. Maintenant que tu t'es présenté, est-ce que tu peux rapidement revenir sur ton week-end de la phase 1 de la détection, parce que ça avait l'air d'être un énorme chantier. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que t'étais stressé? Est-ce que au contraire tu y allais en mode j'ai rien à perdre? Enfin, raconte-nous ton week-end. Quand j'ai vu que j'ai eu la chance d'être pris, c'est vrai qu'il y avait le directement sport, ouais voilà, dès que j'ai vu que j'ai eu la chance, directement je me suis focus et j'ai tout donné. Et après franchement c'est les premières phases étaient assez je dirais simple, mais ça va. Ok. Il y avait pas énormément de niveaux, mais franchement ça allait encore. Puis sinon ça va. Ok, donc toi t'as pas eu de difficultés spécifiques ce week-end là? Non, franchement ça va. Peut-être la phase 2 encore, et là le niveau il avait un peu augmenté, mais bon c'était top 50 qui passait. Le dimanche, ouais, le deuxième jour, ouais, de la phase dimanche, 1. Ouais, ouais. C'est ça. Là il y avait top 50 qui passait, mais il y avait quand même un peu plus de niveaux, du coup. J'ai vu des games super stack, hein. Tu vois, beaucoup plus stack que là qu'on est en train de faire là. Après c'est parce que ouais, c'est oui, franchement, était pas pareil. Mais... Franchement c'était bien plus stack, ouais, vraiment. Ah, moi j'avais la storm les games. Donc là c'était autre chose. Là c'était une game d'arène. Donc c'est là ça se voit. Mais je pense que c'est le format où je récompense les kills. Et j'ai voulu faire ça, je leur explique. J'ai voulu faire ça parce que je vous dis, il n'y a pas tout le monde qui peut jouer les pro slayers, alors que tout le monde peut essayer de jouer un peu la survie avec un bon scénario et des bonnes zones. Donc vu qu'on est sur une détection très ciblée, je voulais quand même dire, si vous prenez des risques, vous faites des kills, vous allez être récompensé quand même. Et c'est pour ça qu'on a mis 3 points par kill, pour justement mettre l'accent là-dessus, parce qu'il n'y a pas tout le monde encore une fois qui peut vraiment faire le killer, quoi. Donc GG mon cher Nashi, est-ce que tu savais que t'étais bien dans la game? Au début je suis allé, en fait j'ai spawn à Cathy. Et j'ai tué le mec qui me contestait. Et du coup là j'étais directement assez confiant, parce que j'avais le stuff pour aller chercher le top 1. Ouais. Et au début j'avais qu'un kill, et j'étais un peu en mode oula c'est chaud, faut clairement que je fasse plus de kills. Et après j'ai essayé de bugger un peu quelques personnes. Et j'ai mis plein de mecs low, mais j'ai pas réussi à les finir. Toujours il y en avait qui arrivaient à partir. Et après c'est surtout sur le late que j'ai pris tous mes kills. Le late j'ai pris tous mes kills, je crois, à la fin. J'avais juste un kill, je crois, avant le late. Et je crois que c'est le late où j'ai pris tous mes kills, il me semble. Et qu'est-ce que ça a été, quelle a été ta réaction là quand t'as vu le classement à la fin avec cette égalité? J'ai stressé parce que quand j'ai vu que Safe avait 8 kills et qu'il était en late game, je me suis dit c'est mort. Moi vraiment j'ai dit que c'était mort parce que 8 kills, x3 ça faisait 24. Je ne voyais pas passer. Et quand j'ai vu que j'étais premier grâce au top 1 qui carry 15 points, hein. C'est pas énorme en vrai, mais pile poil. Mais après j'ai assez, vraiment il a fait quand même 8 kills et tout, il mérite autant que moi. Très fair play comme message. C'est vrai que je vois que Elfeno, il y a peut-être une erreur de calcul parce qu'il est marqué qu'il est 4ème en average plays et qu'il a fait 6 kills. Je crois qu'Elfeno est potentiellement plus haut. On va vérifier ça. Bon, encore une fois, il n'y a que le premier qui nous intéresse, et dans tous les cas, il ne peut pas être premier Elfeno. Mais je crois effectivement, il y a peut-être quelque chose à revérifier là-dessus. On va checker ça pour le mettre à sa vraie place. Mais je pense qu'il doit être peut-être 3ème ou 4ème techniquement. Mais merci le chat d'avoir remarqué ça. Donc toi, tu dis que tu as fait quand même un petit peu d'e-sport. T'as fait quoi? Alors, mes meilleurs résultats, je sais pas dire c'est lesquels. Mais anciennement, mes derniers résultats, j'avais fait top 23 à une Cash Cup duo, top 77 à une Cash Cup solo. Quand même, etc. Ouais, donc ouais. Ok. J'ai à peu près, j'ai un peu plus de 3000 derniers. Ouais, t'as de l'expérience, quoi. Ok. Ouais, ça va. Bon, avant de te poser les petites questions un petit peu plus précises, je vais te laisser quand même faire le petit défi. Donc, si t'as suivi, tu joues pour une association, tout simplement. Ah, j'avais pas du tout suivi, alors. Okay. J'ai pas regardé, vu que j'étais dans la CH Cup. Je t'explique. En gros, je te laisse rentrer dans la map, je te laisse la lancer. Tu me dis quand t'as lancé. Donc, moi, je vais me mettre en spectateur sur toi. Donc, là, on est tous avec toi, on t'accompagne fort.
Et en gros, tu vois qu'il y a plein de portails. Sur chaque portail, ouais, t'as une description d'une épreuve. Et donc, en fonction de tes capacités, tu vas choisir l'épreuve de ton choix. Si tu réussis le défi, tu rapportes 2000 euros de plus dans, dans la cagnotte pour l'association Article 1. Sachant qu'on a déjà 2000 euros parce que ça avait été réussi sur la game 1. Donc on peut monter déjà à 4000 euros grâce à ta performance. Donc, en plus de t'être qualifié pour la finale, tu peux faire une bonne action. On te permet ça avec ça. Donc, je te laisse un peu lire, un peu regarder. Tout le monde te demande ton âge, justement, Nashi. 19 ans. 18 ? Ouais, j'ai 18. 18 ans, c'est bien. Putain, on a des joueurs archi matures, hein, 16. Et je suis joueur manette. Ok. Où, comme ça, je le dis. Je suis joueur manette et j'habite en Suisse. Voilà. Ok, bah, on a toutes les infos. Un chemin à parcourir en skateboard. Est-ce que t'es à l'aise avec le skateboard? Là, le but, c'est de réussir. Hein. T'es pas là pour t'amuser, hein, je te préviens. Ouais, là, je sais, j'ai pas envie. Voilà, c'est ça. J'ai pas envie de décevoir en plus. Commence pas à nous dire, ah, ça me paraît sympa. Je vais dans. Non, prends un truc où tu changes. Soyez un pistolet grâce auquel. Super, un pistolet grâce auquel vous planerez en tirant sous vos pieds. Utilisez-le afin de rester en dehors de la tempête. Ok. Tu te sens chaud? Après, on a vu que tu jouais beaucoup le lance-grenade répulsion, toi, avec ton spawn. Ouais, je sais pas s'il y a un défi avec. Non, je crois pas, mais c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression. Hein. Ouais, je pense que j'ai pas le train, hein. Vas-y, mon poteau, je te laisse découvrir tout ça. Si tu réussis le défi, tu l'emportes. Donc là, t'as un pistolet, donc t'as le pistolet justement de pirate. Et donc tu dois survivre à la tempête au maximum. Mais je dois rien faire? Tirer, je pense, faut tirer. Hein. Ouais, faut que tu tires en. Ah merde! On peut en faire ou pas? J'ai vraiment pas vexé, j'ai mis ce clic. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas! Tiens, on m'a dit qu'il faut juste que tu quittes la map et vas-y, exceptionnellement. T'as la chance que le chat a été d'accord pour le remake, hein, parce que normalement. Ouais, merci le chat. C'est pour ça qu'on a dit, lisez bien, faites attention. Exceptionnellement, ça passe pour Nashi, mais. Oh, il m'a fait peur, quoi. À ce qui paraît, c'était assez mal expliqué, donc voilà, on va jouer sur cette cartouche là. Donc, t'as un pistolet de pirate entre les mains. Le but, c'est de pas toucher l'eau. Le but, c'est que la zone te tue pas et de résister le max de temps possible jusqu'à que ce soit confirmé. Voilà, mon cher Nashi, bonne chance à toi. Pas pour la zone. Okay. Ouais, c'est ça, vraiment. Les défis sont assez accessibles, c'est bon. Hein. C'est des défis médium, tu vois, c'est pas facile, c'est pas dur, c'est médium. Donc là, t'as ton, voilà, on te laisse gérer. Et tu m'as dit, je peux pas aller dans l'eau? Non, l'eau, te one shot. Donc là, à partir d'une fois que t'es dans les airs. Mais non, mais je. Non, c'est trop. Alors, attends, attends deux secondes. Je crois que j'ai pris le pire truc, vraiment. Il a pris le pire défi. Moi, je propose quelque chose de chat. Nashi, t'es un peu fatigué dans la game de qualification du tout. Ouais, non, mais ouais, avec la cup tout à l'heure. Ouais, voilà. Après, j'ai 1000 de ping aussi. Ah, 1000 de ping. Ah, vas-y, bon, exceptionnellement, je le fais à ta place du coup. Ouais, bah ouais. Putain, si je rate, par contre, si je rate, mec. Si je rate, on prend un viewer pour le faire à notre place, mec. Je te le dis. T'inquiète, on est ensemble. Là, je suis désolé, mais on est ensemble. Parce que là, je rigole. C'est trop facile. Je suis avec le chat, on se moque de toi, mais. Vas-y, je le fais pour moi. Normal, mais moi, je rigole pour moi. Voilà. Pour l'assaut. Donc là, tu vois ça. Ouais, pour l'assaut, non, mais. Puis c'est pour une association. Mais oui, je savais. Chance, me stresse pas. Ok. Ah, t'es le boss. Ok, Nashi. T'es le meilleur. Je le fais pour toi. Allez, ouais. Sur mon honneur, s'il te plaît, allez. Le boss. Je tiens à dire que j'ai jamais fait. Hein. Je. Allez, non, c'est le boss. J'avoue que c'est pas si simple. À la manette, ça devait être un enfer. Ah, je sais pas, mais c'est... non, je pense que c'est moi. Non, vraiment, je pense que c'est moi. Tu vois le live ou pas? Ouais, là, je suis en train de regarder. Okay. Allez, t'es le boss. Ouais, je sais, gros. Parce que sinon, c'est la honte pour nous deux. Non, mais pour moi, la pour tête moi. De c'est pas facile. T'es en train de sauver mon honneur. C'est pour la société. Ça finit quand? Non, mais je vais pas tenir 9 minutes comme ça, hein. Vous êtes des grands malades, vous. Non, c'est impossible. Ça là, je pensais bon, hein. Ah, je vais même pas regarder. Allez. Non, mais je vais pas tenir 8 minutes 50 comme ça, vous êtes des grands malades. Là, je pensais pas que t'allais faire ce truc. Ah là là. Oh, allez, doublé. Oh, mais ça, c'est grâce au créatif que je faisais avec Gotha à l'époque. J'avais travaillé le gun de pirate. Hein. Pour récup la pièce sur l'île de gauche. Comment ça? Mais comment je fais pour récup la pièce? Mais c'est à one shot. La zone est one shot. Oui, je la vois, elle est là-bas. Tu la vois, la pièce là? Mais du coup, ça, je peux y aller, c'est bon. Du coup, c'est bon. Une fois qu'elle est apparue, la zone me tue plus. J'ai un doute, hein. Tu sais, j'ai tellement peur. Ou alors, faut que j'attende que la zone aille dessus. Parce qu'on la voit, vous voyez la pièce de puzzle qu'il y a là-bas là. Une fois que je l'appréhends, c'est bon. Un jour, la zone va aller dessus. Bah, super. Ouais, mais c'est quoi? Faut y pendant 8 minutes, faut attendre. Non, jour, la zone va aller sur le puzzle et va falloir que. Mais arrête ici là. Mais j'ai pris le pire truc, vraiment. T'as pris le pire truc, gros. Je te déteste. Mais je pensais que c'était le truc le plus simple, moi. Bah, ça avait l'air sur le papier. Hein. Mais quoi? Eh, hey, attends, là, on est d'accord que je me suis fait carotte là. Première tentative de ma vie. Non, je me suis fait full carotte. Attends, t'as de la chance. On va dire que c'était un bug du jeu. Hein. Et moi, je pense que c'est bon, non? Ah, ok, la je suis pas mort jusqu'à la fin, donc j'ai gagné. Ok, donc il fallait attendre que la zone se referme comme ça sur toi. Et t'as gagné en fait. Tu vois le dernier truc qu'a fait là? C'était ça le signal de fin. Ok, c'est bon. Est-ce que t'es chaud de réessayer toi maintenant? Ne te stresse pas. De toute façon, dans tous les cas, on dira que c'est bon. Moi, je l'ai fait. Maintenant, j'ai envie que ça vienne de toi, tu vois. Troisième tentative. Mais ça sera là. Mets-toi maintenant dans les airs, je pense. Mets-toi des mains. Histoire de comprendre la gravité, voilà. Prends ton rythme, tranquille, tu vois, t'es tranquille. Allez, je suis en pas. Tranquille, voilà, grite pas trop, voilà, parfait.
Tranquille, tranquille Nashi. Tout va bien, ça va toi? Tu passes un bon ouais. moment? Avant mieux que maintenant, ouais. Ouais. Non, mais la possesse. Là j'ai le stress de ouf. Non, faut pas mec, ouais, on est avec toi. T'as des frères, t'as des sœurs dans la vie? J'ai un grand frère. T'as un grand frère? Ok. J'ai aussi à Fortnite. Aussi? Ok. Ouais. Parle-nous de toi un petit peu, parle-nous de toi Nashi, tout va bien. T'inquiète, tout va bien. Ouais. Il reste juste 9 minutes 19 à attendre. Je suis désolé, j'ai envie de te troll parce que c'est trop marrant. Non, mais c'est normal, bah oui. Hey, regarde comme tu gères comme un prince là. C'est incroyable. Ça y est, en fait, t'as capté. Moi je dis rien. Oui. Parce que je sens qu'il va avoir un karma sur moi. Et n'oublie pas que si la zone va vers le puzzle, bon, on verra, ça je le dirai plus tard, mais t'es très très bien. T'es très. Tu ouais, je crois que je vais faire comme t'as fait. Prince. Je vais faire comme t'as fait, je vais attendre que. Ouais, je joue le timing max. Ah! C'est l'heure de se rediriger vers l'île, ça te plaît ça. Oh, c'est pas mal pour. Oh, l'axe, c'est presque bon. Tu le vois, la petite bout de puzzle à gauche là? Ah ouais. Oh, t'es. Oh, si tu le prends, t'as gagné. Attends. Ouais, le grid pas. C'est au cas où la zone est vraiment dessus. Oh, t'as tellement pas de chat. Elle y passe pas. Tranquille, je joue le timing, je joue le temps. T'es... Hey, t'es monstrueux, mec. Le chat est en mode plus personne ne respire. Y'a plus personne qui parle. Oh, c'est bon. Attends, elle se déplace, elle se réduit. Vas-y, et tiens en max, comme ça, c'est incontestable. Incontestable. Victoire bon, incontestable de Nashi. Let's go. Il l'a Let's fait go. Non, j'avoue qu'il était pas facile celui-là. Il était un peu. Bon, au début en fait j'avais vraiment pas compris ce qu'il fallait faire. Dès que j'ai vu comment t'as fait. Ouais, écoute, on est joueur professionnel ici, tu sais. Demande Nashi, fais pas le timide. Et sur la première tentative, c'est pour la vidéo YouTube. Oh, Nashi qui le fait. Non, je rigole. On ne mentira pas YouTube, je vous rassure. Ils auront toute l'histoire. Merci Nashi, c'était super agréable. On a pris un petit peu plus de temps, mais c'était fun. C'est aussi le but de la détection d'avoir ce petit moment privilégié. On rappelle, 18 ans. Sur Fortnite à la manette avec un petit peu de background compétitif et on se retrouvera pour la grande finale avec les autres histoire de voir un peu ce que tu vaux réellement dans un plus petit comité parce qu'on sera plus que 12 à ce moment là et ce sera des grosses épreuves créatives assez violentes donc je te laisse t'entraîner jusque là mon poteau mais t'as fait le plus dur, bravo à toi. Ouais, bah merci et je peux juste bien sûr réseaux sociaux, message pour le chat, c'est ton moment. Ok, bah déjà je voulais te remercier d'avoir fait cet événement là la détection. Merci poteau. Et au groupe général aussi remercier tout le chat, vous êtes les boss les gars, continuez à soutenir Dugby parce que c'est grâce à vous s'il peut faire des événements comme c'est ça vrai. Et puis je voulais remercier tous mes frérots qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir et puis voilà. Fort mec, incroyable, hâte de te retrouver pour la grande finale mon poteau, repose-toi bien, t'as été au top et merci. GG parce que tu rapportes 2 000 € de plus à l'association article 1 donc sache que t'as fait une très bonne action aujourd'hui de et part déjà ta qualification c'est bien pour toi mais de part cette petite épreuve réussie du premier coup en plus c'est parfait, ça régale, à très bientôt, merci au beaucoup. Plaisir mon frérot. Bonne soirée. Et voilà c'est terminé pour Nashi qui aura fait ce qu'il fallait hein. Il aurait été solide, on aura bien rigolé grâce à l'épreuve créative, vous l'avez compris aussi le but c'est pas non plus d'empêcher l'association de toucher les sous mais attention je serais peut-être pas aussi gentil à chaque fois, là on est sur la deuxième, l'épreuve était un petit peu difficile à comprendre, on accepte et puis il était stressé, tu le sentais qu'il était pas à l'aise, qu'il regrettait très très vite donc voilà on a été un peu sympa sur celle-ci, j'espère que vous avez kiffé cet épisode avec un peu ça une game de la détection très serrée hein, avec deux joueurs vraiment safe que je recite et Nashi qui se sont battus jusqu'au dernier moment, le top 1 aura fait la différence parce qu'en termes de points ils étaient à égalité donc voilà c'était une très 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 belle session de la détection pour cette game 2 sur YouTube, mettez un max de pouces bleus, réagissez un max aussi et on se retrouvera pour la game 3 de la détection dans quelques journées, des bisous et à très bientôt sur YouTube, ciao ciao.